Bonjour à tous. On se retrouve pour faire ma présentation de février au niveau de mon bullet journal. Hop là. Donc voilà à peu près le croquis là, que j'ai fait pour ma présentation. C'est mieux dans l'autre sens. Voilà, je vais utiliser différents tampons, qui ceux-là viennent d'Action, ceux-là d'AliExpress, et ces deux. Celui-là qui vient d'une planche de tampons avec des animaux d'action et celui-là de cadre. Voilà. Allez. Et vu que je vais utiliser mes feutres à alcool, j'ai pris une feuille de papier que j'ai coupée à la mesure de ma page. Comme ça, je peux coloriser. Si ça traverse, c'est pas grave. Allez. Hop. Mon petit modèle. Et en avant, et on n'oublie pas les blocs acryliques. Allez, on va commencer par placer celui-là. Hop là. Ah, si j'ai pris mon encre. Et je tamponne du coup à la Memento pour pouvoir utiliser mes feutres à alcool vu que c'est une encre à base d'eau. Comme ça ne bave pas. Alors, je fais du bullet journal depuis 2018, 17-18. J'ai attaqué à le faire en formation d'éducateur, mon métier, pour m'organiser sur mes écrits et mes cours et de tout ce qu'il y avait à faire. Et j'ai continué en le rendant beaucoup plus minimaliste au fur et à mesure des années. Un jour, je vous montrerai mes différents bujons. Ah, ben c'est appuyé. Alors là, ça va être mission périlleuse. Le replacer au-dessus. Allez, on va essayer de se mettre comme il faut. Ah oui, si j'utilisais mon tapis dessous. Parce que mon clan de travail fait une bosse et je me suis mis en pleine sur la bosse. Forcément. Alors, ça, vous voyez aussi. Voilà. J'aurais dû le faire avec la planche à tampons, ça aurait été bien plus simple. Voilà. Alors, comme on voit là, il n'est pas tout à fait positionné comme il faut, mais ça me gêne pas. Ça fait un petit effet 3D. Allez, un petit coup de nettoyage. C'est pas mon tampon hein, qui fonctionne pas, c'est juste moi qui faut que je change mon tapis. Tout simplement. Allez, on tamponne. Je vais m'arrêter là pour le tamponnage. Je choisis mes crayons au niveau de la colorisation et je vous reprends. Voilà, j'ai fait le choix de mes couleurs. Donc je vais vous mettre ma colorisation en accéléré. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez la voir. Voilà. Hop là. Et je vous dis à de suite.
manque plus qu'à écrire février ici. Je sais pas encore avec quoi je vais l'écrire. Alors, je pense au crayon noir. Hop, je pense que je le ferai avec celui-là. Voilà. Je pense que je le ferai avec celui-là. Allez, je vais vous dézoomer, on va passer à la suite là. Donc, je viendrai l'écrire après, je vais attendre que ça soit bien sec pour pas que ça bave. Et donc du coup, on va passer à ma présentation du mois. Alors, sur cette double page, comme sur le mois dernier, je n'ai pas besoin de grandes choses au niveau organisation. Donc du coup, hop là, j'attrape mes crayons. Je vais rester sur ma vue mensuelle pour suivre mon cycle. Et sur moi je le marque déjà, ne pas oublier, non, mes dates importantes. Voilà, avant je fonctionnais avec un calendrier, mais ça me compte. Enfin, je trouve que ça prend beaucoup trop de place par rapport à ce que j'ai réellement besoin. Et que de cette façon, je le remplis beaucoup plus que quand c'était en calendrier. Ensuite, sur ma page suivante, j'ai ma to-do list. Donc, ce que je prévois dans le mois à faire pour mon organisation générale, que je viens rediviser après sur chaque semaine du mois. Donc, vraiment version très simple et très minimaliste. J'ai essayé de faire des moodboards, des trackers, j'arrive pas à m'y tenir. Voilà. Et après, on va passer du coup à mon organisation semaine par semaine. Voilà, comme sur le mois précédent, où c'est très très simple. Où je viens faire mes semaines en colonne. En mettant 2 jours par... une semaine par page. Et du coup, les 7 jours... Attends, on va intercaler, on va faire rouge et noir. Après, j'organise aussi sur mes semaines où je travaille. Je prévois beaucoup moins de choses et beaucoup moins d'organisation que sur mes semaines de vacances. Donc, souvent la présentation est différente pour mes semaines de vacances. Donc, fin mars, normalement, il devrait y en avoir une. Donc, à ce moment-là, je vous montrerai du coup ce qu'il en est. Alors, sur le mois de février, donc pareil, je vais commencer en mettant mon 30 et 31 que j'ai pas mis du mois précédent, du mois de janvier, pour faire des semaines complètes. Parce qu'au lieu d'avoir 2 jours sur une seule page et une demi-semaine sur l'autre, hein, et au final, ça me fait utiliser des pages pour rien. Parce que mettre 2 jours comme ça sur une semaine, sur une page, j'en vois pas l'intérêt. Donc, je préfère faire mes semaines complètes et du coup, par exemple, pour février, je vais m'arrêter au 26. Et
Et le 27-28, bah, du coup, sera sur mon mois de mars. Comme ça, c'est bien plus pratique pour moi. Et puis, comme ça, là, ça fait beaucoup de comme ça. Je m'organise bah, fin du mois pour le mois suivant, en notant les rendez-vous, les dates, les choses importantes à ne pas oublier. Et je réfléchis déjà à mon idée du mois suivant. Qu'est-ce que j'ai envie? Mon page de garde. Je vais regarder un peu sur Pinterest aussi ce qui est fait. Et voilà. Alors, on va venir inscrire les jours. Je vous mets en accéléré et on se retrouve quand j'ai fini. Voilà. Alors, je suis attrapée une chute de papier pour faire mon calendrier pour venir tamponner. Alors, du coup, mercredi, c'est le premier. Donc, c'est celui-là. Faire en rouge. Alors, hop. J'efface le 30 et le 31. Alors, ça donne ça. On va venir couper au ciseau. Alors ça, c'est des chutes que j'ai gardées de mes anciens bujons. Ou des fois, quand il reste une ou deux pages, des choses comme ça, je les ai mises dans une enveloppe. Voilà. Et hop. Et là, je mets toutes mes chutes. Comme ça, quand j'ai besoin des fois de rattraper quelque chose, ou ben, je viens coller un morceau par-dessus. Petit arrondi à la main. Couper très droit là. Non, vous voyez rien. Voilà. Et j'ai envie. Ah oui, j'ai utilisé cette encre. De venir ancrer les bords pour faire un cadre tout autour. De la colle. Ah, j'ai pas ma colle. Elle était posée à côté. Hop là. Allez. Et comme ça, on rattrape ma bêtise. J'ai voulu écrire les jours et j'ai oublié. De compter et de mettre le dimanche. Et voilà. Hop, on referme ça pour pas que ça se sèche.
Et du coup, trouve que ça fait bizarre. Voilà. Allez. Hop. On va venir coller ça, mais avant, je vais écrire février. Allez, c'est pareil. Peu d'arrondi et voilà, ça fait ça, et sur mon bujo ça aurait été encore pire. Allez, je colle tout ça. Hop. Et voilà, collé. Ah oui, je vous ai pas dit ces feuilles. Ça vient des blocs à croquis de chez Action. Hop, voilà, je vous ai rapproché. Donc du coup, alors ici, il faut que je pense à vous en imprimer un vierge et à le remplir à la main. J'imprime la vue du mois de mon calendrier depuis l'ordi. Et sur toutes les cases, j'ai... mes dépenses mensuelles, à quelle date ça passe, quoi. Voilà, juste pour mémotechnique, pour m'en souvenir. Hop. Hop là. Donc ma page je garde du mois de février. Ensuite, donc mon cycle, mes dates importantes où j'ai à remettre les anniversaires et tout ça. Ma to-do list. Et là. Ah, je vois que je mette un coup de gomme. Ma vue, semaine par semaine. Voilà. Et après, bah, on passera au mois de mars. Mais ça, on se retrouvera fin février pour ça. Voilà. Je vous remercie. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses comme ça, bah, on se retrouve dans la barre des commentaires. Au revoir!